et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous pouvez vous asseoir. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à son vénérable frère Hervé Giraud, jusqu'ici archevêque de Sens, nommé évêque de Viviers, tout en conservant personnellement le titre d'archevêque, salut et bénédiction. Que Dieu, par qui nous nous efforçons de nous laisser enseigner en observant ses commandements, guide lui-même nos pas selon sa parole. Psaume 118, 113, 133. Ainsi, plein de sa sagesse, nous suivrons de tout cœur le Christ, lui qui nous fait connaître les chemins de la vie et nous comblera la joie grâce à son visage. Psaume 15, 11. En gardant sa loi d'amour comme fondement d'une vie heureuse, nous nous préoccupons des lourdes charges de l'Église catholique et nous tournons donc notre attention vers les besoins du peuple du Vivarais, dont l'évêque, notre vénérable frère Jean-Louis Balsa, a été transféré dans l'archidiocèse d'Albi. C'est donc à toi, vénérable frère, que nous pensons. Dans l'exercice de tes travaux apostoliques, tu as nourri des qualités du cœur et de l'intelligence qui te rendent apte à t'acquitter de cette tâche. Ainsi donc, après avoir consulté le dicastère pour les évêques, par notre pleine autorité apostolique, nous t'avons délié de ta charge précédente et nous t'établissons évêque de Viviers. Tu conserveras personnellement la dignité et le titre d'archevêque avec les droits et les obligations associées à cette charge. Nous voulons que tu fasses connaître cette décision au clergé et au peuple de cette communauté ecclésiale que nous encourageons de tout cœur. Sois pour eux un guide, un père, un maître qui enseigne. C'est Dieu enfin que nous prions. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Bon Secours, et du saint patron du diocèse, le diacre Vincent, que le Seigneur t'accorde de diriger le troupeau confié à tes soins et de donner à ses brebis, qu'il a rachetées par le précieux sang de son Fils, de se réjouir dans l'espérance et d'agir dans la charité. Donné à Rome, au Latran, le 13 mars de l'an du Seigneur 2024,
dans la 12e année de notre pontificat, François, pape. Les prêtres du diocèse de Viviers, en commençant par le collège des consulteurs, vont maintenant venir saluer leur nouvel évêque. Vous connaissez déjà le parcours de Monseigneur Hervé Giraud, originaire de votre diocèse, avant qu'il ne devienne évêque auxiliaire de Lyon, évêque de Soissons, puis archevêque de notre diocèse de Sens et Auxerre. Il nous revient de vous dire quelques mots pour évoquer ces 9 années passées parmi nous. Tout d'abord, nous retenons son souci de la communion
vécu notamment en créant les groupes fraternité dans les paroisses, en développant les équipes d'animation paroissiale et les assemblées diocésaines. À Lourdes, la communion s'est aussi instaurée entre les groupes de pèlerins avec Mgr Giraud. Nombreux se souviendront de ces enseignements simples, clairs et imagés qui reflètent sa volonté constante de rejoindre nos contemporains en leur expliquant simplement la foi en Jésus-Christ. D'abord, par ses 8 homélies quotidiennes, ensuite, par la publication d'une série de frises « La foi simplement » et en proposant les théobasiques, insistant ainsi sur la formation et la communication. Par son approche pastorale, à la manière du Christ, il a su accueillir chacun avec bienveillance et respect, dans une écoute fraternelle. Un accompagnement qui lui tenait à cœur, notamment dans la dynamique grandissante du catéchuménat. Ainsi, durant ces 9 années, plus de 800 adultes ont demandé les sacrements de l'initiation chrétienne. Il a su impulser dans notre diocèse un esprit de synodalité, ponctué par des rassemblements diocésains et notamment lors du bicentenaire de notre diocèse. Ce chemin n'est pas une révolution, comme il nous l'a rappelé avec les mots du pape François, mais une conversion pastorale pour nous renouveler dans un territoire où cohabitent des cultures diverses. Chers frères et sœurs de Viviers, vous recevez aujourd'hui comme évêque Hervé, qui demeure prélat de la Mission de France. La Mission de France a commencé en 1941 par un séminaire. Il formait des prêtres pour contribuer à l'effort missionnaire de l'Église par une présence dans les milieux sociaux et culturels les plus étrangers à la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, les prêtres de la Mission de France vivent le ministère presbytéral en exerçant une activité professionnelle. Des laïcs sont engagés avec eux dans l'aventure de la foi en partageant la vie ordinaire de leurs contemporains. Prêtres, diacres et laïcs, nous sommes constitués en équipe de mission au service des églises locales. En partenariat avec elle, nous vivons l'annonce de la parole de Dieu et l'écoute de l'Esprit, prioritairement avec celles et ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. Depuis 2015, Hervé porte avec nous le souci de l'enjeu de la foi aujourd'hui. Comme prélat, il nous envoie pour vivre la mission de l'Église selon 3 dimensions. En travaillant à la justesse de l'attitude chrétienne, en vivant l'Église au lieu de la rencontre et du dialogue, en contribuant à interpréter la foi chrétienne pour aujourd'hui. Avec nous, Hervé est à l'écoute de ce que nos contemporains nous disent de la part de Dieu. Avec lui, nous sommes porteurs de la parole de tous ces visages qui manquent à notre Église. Un lien particulier s'est noué avec le diocèse de Sens-Auxerre et la Mission de France. Un lien va commencer avec le diocèse de Viviers. Et voilà 3 ou 4 ans, Mgr Jean-Louis Balza interpellait le prélat de la Mission de France, Hervé Giraud, pour l'envoi d'une équipe dans le diocèse. Et aujourd'hui, c'est le prélat lui-même qui est envoyé. Nous nous en réjouissons.
Monseigneur, le diocèse de Viviers vous accueille, le peuple de Dieu dans sa pluralité, y compris œcuménique, tient à vous dire simplement sa foi en Jésus-Christ, son amour de l'Ardèche et ce qu'est l'Église pour eux. Je connais Jésus depuis que je suis toute petite. Pour moi, Jésus est un peu comme la famille. Je peux toujours compter sur lui. Quand ça va pas, je le prie. Dans ma vie, Jésus me donne la joie. Christ, pour moi, est symbole de Dieu. Celui qui a porté Dieu sans se confondre avec lui. Entre présence et différence, il représente ce que Jésus dit de sa relation avec son Père. Oui, pour nous tous, chrétiens, Jésus, toi le porteur d'une présence qui te dépasse, Théophane, tu es symbole de Dieu, et ainsi tu es Christ. Seigneur Jésus, je t'ai ouvert ma porte et tu es entré. Quel immense bonheur! Je t'ai donné toute ma vie et je prie pour ton avènement. Pour moi, le Christ est l'incommensurable expression de la bonté du Père. Il est la parole vivante, la porte de la communion en Dieu par l'inhabitation de l'Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur. 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 Bonjour, je m'appelle Nicole, je viens du Congo Kinshasa. J'ai 3 enfants. Je suis arrivée en France le 5 décembre 2018. Et en mars 2019, je suis arrivée en Ardèche Nord, plus précisément à Annonay, dont les habitants et les associations sont accueillants, bienveillants, chaleureux, gentils. Grâce à eux, je me suis vite intégrée. J'attends ma régularisation, mais je ne suis pas exclue. Et aujourd'hui, je suis au sud de l'Ardèche, à Viviers, et je m'aperçois que les habitants sont accueillants. Et je dis merci à tous les Ardéchois. Monseigneur, en 30 ans, l'agriculture ardéchoise a évolué, mais elle a su garder toute sa typicité. Il y a eu et il y aura toujours des paysans pour nourrir nos concitoyens et d'abord les habitants ardéchois. Les territoires escarpés et variés qui composent notre diocèse ont amené ces hommes et ces femmes de la terre à façonner notre département de différentes manières, des grands espaces ouverts du plateau ardéchois aux terrasses de l'Eyrieux. Ils ont aussi su le valoriser. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 3500 fermes qui composent notre Ardèche. Près de la moitié commercialisent leur production en vente directe et peuvent s'appuyer sur des signes de qualité qui mettent en valeur un savoir-faire et un terroir. Les AOP sont au nombre de 11 et sont variés, du fin gras du Mézin, viande bovine, picodon ou la châtaigne d'Ardèche et plusieurs AOC viticoles. C'est avec tous ces produits, dont nous sommes très fiers, que nous vous souhaitons la bienvenue
en espérant les partager avec vous et partager par la même manière nos vies, dans nos difficultés, nos doutes, mais aussi notre enthousiasme. Merci. Cher Père Hervé, au titre de ma jeunesse, j'aurai beaucoup de choses à vous raconter sur l'Ardèche. Je me limite à un symbole, celui des nombreux ponts qui ont poussé de génération en génération. Savez-vous combien de ponts sont recensés en Ardèche? Bravo. 2500. C'est dire combien le besoin d'être relié est vital pour les Ardéchois. Ces ponts sont signe d'une soif de communiquer, de partage, de fraternité. Ils sont une soif d'être connectés et pas seulement par les réseaux sociaux. Votre lettre aux Ardéchois contient déjà une réponse. Itinérance, proximité, collaboration. Je suis moi-même très touchée par ces mots. Ils font écho au charisme des sœurs de Saint-Joseph dont je fais partie. Oui, Père Hervé, les routes et les ponts vous attendent impatiemment. Pour moi, étudiante, l'Ardèche, c'est la joie de se retrouver, la grâce des rencontres et des amitiés. Un retour aux sources pour vous, Monseigneur Hervé Giraud, dans cette Ardèche qui est justement le pays des sources, traversée par la ligne de partage des eaux qui se déverse dans la Méditerranée d'un côté et dans l'Atlantique de l'autre. Un département riche de sa ruralité et de son terroir, où l'on produit l'essentiel à travers l'élevage, la vigne, les fruits et légumes, les céréales. Un territoire au relief et paysages variés, où il fait bon vivre et s'évader, avec une nature préservée qui invite au sport et à la détente. Gloire et louange à toi, Seigneur. 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 Pour moi, l'Église est témoin de Jésus-Christ comme le Sauveur du monde. Elle se fait servante de Dieu en se mettant au service des hommes et me donne la joie de ma mission d'évangélisation. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Cette phrase de Sainte Thérèse résume à elle seule ce qu'est pour moi l'Église. Une joie d'abord. Celle d'appartenir à une communauté, à une famille qui se déploie dans le temps et l'espace, tous unis pour cheminer ensemble. Un désir, celui de grandir dans la charité, dans l'amour des autres, en allant puiser à la source de celui qui est tout amour d'abord, au contact de mes frères et sœurs. L'Église est peuple de Dieu, peuple de frères, sacrement du salut en Jésus-Christ. Elle a la mission de vivre la bonne nouvelle et de la porter au monde grâce à l'esprit de Pentecôte qui seul peut toucher les cœurs et donner fécondité à notre service. Merci de venir nous aider à vivre en Ardèche cette belle mission.
dans mon quotidien, l'Église, ce sont avant tout les paroissiens de Sainte-Marie de Bergues et Coiron, dans leur grande diversité, que j'apprends à mieux connaître et que j'ai plaisir à retrouver. Plus institutionnellement, l'Église est aussi pour moi les élèves et les adultes des écoles du collège et du lycée d'Aubenas et de l'école de la Levade que j'ai le plaisir d'accompagner au titre de la tutelle diocésaine de l'enseignement catholique. Pour moi, l'Église, c'est la grande famille des croyants, c'est-à-dire des hommes et des femmes de toutes nations, de tous âges, qui sont en chemin avec Jésus, qui ont des ministères et des charismes complémentaires, des expériences de foi diverses, qui ne sont pas parfaits, mais qui essaient, avec le soutien de la parole, de l'Eucharistie, des sacrements et des frères et sœurs, de se laisser guider par l'Esprit pour construire le royaume. Monseigneur, nous savons votre attachement à la parole de Dieu. Pourriez-vous nous dire trois versets que vous aimeriez nous dire sur le Christ, l'attention aux pauvres et l'Église? Tout d'abord, merci à ceux qui se sont exprimés. Voilà, c'est un souhait que j'avais, que le peuple de Dieu, dans sa diversité, puisse parler. Voilà, ceux qui ont moins souvent la parole comme ceux qui l'ont plus souvent. Le premier verset, c'est dans le chapitre 21 de Saint Jean, chapitre 21, verset 16, « Paix mes brebis, paix mes brebis ». Très important de remarquer que le Christ ne dit pas « Sois le pasteur de mes brebis », mais « Paix mes brebis ». C'est le Christ qui demeure et demeurera, hier, aujourd'hui et demain, le seul et vrai pasteur du peuple de Dieu. La deuxième phrase, pour l'attention à l'Ardèche, et notamment aux plus pauvres, j'ai choisi l'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 35, « Prends soin de lui ». On remarque rarement que cette parole, qui est dans la parabole du bon samaritain, est une parole qui vient avant Marthe et Marie, la parole de Dieu, et avant le Notre Père, la prière. Comme pour nous dire d'abord que il faut prendre soin des autres. Bien sûr, les trois vont ensemble, mais on commence par prendre soin les uns des autres. Et la troisième verset, c'est celui de ma devise, « Ressusciter avec le Christ » au pluriel. C'est très important pour moi que de toujours partir du peuple de Dieu. Et quand je dis « peuple de Dieu », c'est lui qui en connaît les limites, mais ce n'est pas forcément seulement les chrétiens ou les catholiques. Ressusciter avec le Christ, c'est une réalité aujourd'hui. Nous sommes déjà ressuscités avec lui. Viennent ensuite les distinctions, chrétiens, baptisés, confirmés, diacres, prêtres, religieux, évêques, peu importe. Mais le plus important, c'est de toujours partir du peuple de Dieu et nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Nous t'adorons, nous te prions.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé, par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Yeah.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. »
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en quittant la cathédrale de Sens il y a 15 jours, j'ai laissé trois mots aux fidèles de Lyon. Amen, Alléluia, ressuscité. L'Amen des catéchumènes souligne la foi qu'ils ont professée et que nous professons. Alléluia signifie louer Dieu car nous lui rendons grâce pour son amour, pour avoir aimé les siens jusqu'au bout. Ressuscité, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'emploie au singulier et au pluriel, car c'est notre espérance d'être avec le Christ ressuscité. Amen, Alléluia, ressuscité. Trois mots, la foi, l'amour et l'espérance. Alors cet après-midi, la parole de Dieu m'invite à souligner deux mots simplement, deux mots de l'évangile de ce dimanche, paix et joie. La paix, c'est le premier mot du Christ ressuscité. Lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Cette paix est urgente à transmettre dans ce monde déchiré et souvent violent. Nous l'avons encore entendu cette nuit dans les diverses informations. Cette paix ne peut se donner qu'en se recevant, qu'en la recevant, en la cultivant en nous-mêmes, déjà dans notre propre cœur. Et je voudrais dire d'emblée aux jeunes que j'ai rencontrés tout à l'heure, et ils me l'ont dit quand ils se sont présentés, ils ont fait un petit jeu avec des couplets, des refrains, il y en a qui ont dit qu'ils voulaient justement donner cette paix. Soyez des artisans de paix, même si certains parmi vous ou parmi nous n'ont pas la foi. Mais puissions-nous être chacun des artisans de paix? C'est la seule radicalité qui puisse construire la fraternité dont nous ne pouvons pas nous passer. Saint Charles de Foucault, vous connaissez évidemment l'endroit où il a été ordonné prêtre, ici. Saint Charles de Foucault peut être notre guide, car il nous invite à agir de telle manière que nous soyons reçus comme des frères et des sœurs universels. Cela commence déjà en considérant les autres, quelle que soit leur foi, ou non-foi, ou malcroyance, peu importe, considérer les autres comme des frères, comme des sœurs. En favorisant une paix fraternelle, nous témoignerons de notre commune filiation divine, dont le baptême est un signe visible. Et pour que nos fraternités ne soient pas replis sur soi, mais signe
de ce que le Concile disait être l'unité, signe de l'unité du genre humain et de l'union avec Dieu dans le Christ. Il nous faut écouter sainte Thérèse Coudert, soulignant que Dieu a communiqué sa bonté infinie à tous et partout. Sa bonté. La paix donc, mais aussi la joie. La joie est un don irréversible de Dieu. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera, nous rappelle saint Jean. Je vais vous faire une confidence. Ces dernières années, avec les multiples crises sanitaires ou les abus dans l'Église, j'ai bien cru perdre, non pas la foi, mais la joie. Et comme beaucoup d'autres, j'ai été confronté, en écoutant notamment des victimes, à l'irréparable. Et l'humanité doit entendre que Dieu lui-même s'est confronté à la souffrance, à la haine ou au mensonge. Mais le Christ donne la vraie joie, et il la donne aussi parfois, on le reconnaît seulement ensuite, mais au cœur des épreuves. Cette joie, je l'ai vécue, notamment ce 18 février, en la fête de Sainte Bernadette, quand j'ai appris, par un simple coup de téléphone bienveillant du nonce, ma nomination ici en Ardèche. J'ai vérifié dans la foi que le Christ veut vraiment que nous ayons sa joie et que nous en soyons comblés. Alors pour nous aider à vivre en paix et à vivre dans la joie, nous avons besoin de parler, de nous parler. La parole libère. Mais pour parler, nous avons besoin aussi d'écouter la parole des autres et la parole de Dieu. La parole des autres mérite toujours d'être écoutée pour dialoguer. Même la parole des plus faibles, toutes sont nécessaires. Sainte Marie Rivière le soulignait en reprenant les mots du prophète Joël, chapitre 3, verset 1. « Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Être prophète, ce n'est pas prédire l'avenir. Ce n'est pas non plus de se l'autoproclamer. C'est dire en conscience, en situation, ce que notre intelligence perçoit. Avec ce besoin de la parole de Dieu, il y a aussi, pour les chrétiens, l'importance de la parole de Dieu, source véritable de paix et de joie. L'Évangile est le meilleur des guides pour entrer dans le style du Christ, comme dit le pape François. C'est-à-dire pour entrer dans cette attention à chacun et à tous. Il passe par la parole des uns et donc aussi par la parole de Dieu. L'Évangile est et sera toujours au cœur de mon ministère avec vous. En arrivant ici, ma première espérance est d'avoir la joie de partager l'Évangile avec vous, que ce soit lors d'une simple réunion, un conseil, une Eucharistie. Et même si parfois dans nos coins d'Ardèche, l'Eucharistie peut se faire rare, le bienheureux Pierre Vigne nous invite à trouver une forme eucharistique, une manière de remercier, notamment le jour du Seigneur, en partageant ou en lisant l'Évangile. Vous l'aurez compris, je ne viens pas ici par nostalgie. Je ne viens pas ici par ambition, mais pour une simple mission. À l'image de saint François Régis, du moins je l'espère, vivre de l'Évangile, l'annoncer et le servir avec vous. La paix et la joie que nous avons reçues de la puissance de la résurrection doivent être communiquées à la multitude, sans repli sur nos familles, mais en les incluant pour les honorer. Avec la juste attitude chrétienne, comme l'a dit tout à l'heure le prélat et le vicaire général et la déléguée générale de la Mission de France, la juste attitude chrétienne. Le bienheureux Gabriel Longueville nous a montré que le chemin de l'attention aux pauvres par sa vie donnée en Argentine, en était une juste forme. Ainsi, frères et sœurs, tous ces Ardéchois que je viens de citer et qui guideront dans la paix et la joie, non,
nos pas de disciples missionnaires nous disent, comme le psaume, « Qui nous fera voir le bonheur ?» Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Oui, amen, Seigneur, car je crois et nous croyons en toi. Alléluia, Seigneur, car je te loue et nous te louons parce que tu nous as aimés le premier. Oui, ressuscité avec toi, Seigneur, car tu nous entraînes dans l'espérance que porta ta mère, Marie, au pied de la croix. Seigneur, donne-nous ta paix. Seigneur, donne-nous ta joie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous élargissons notre prière à toutes les intentions de l'Église et du monde. Seigneur, accueille la prière que nous t'adressons pour que dans nos cœurs, nos familles, notre pays et toutes les nations s'établisse la paix, fruit de la justice, de la vérité et de la fraternité. Que ce don de la paix parvienne là où il est le plus nécessaire, aux peuples épuisés par la guerre, par la faim, par toute forme d'oppression. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour l'Église, qui a pour mission de transmettre la joie de croire. Seigneur, donne à notre évêque, à nos prêtres, à nos diacres, la force et la joie de témoigner de ta résurrection. Qu'ils puissent rejoindre chacun dans leurs attentes, leurs questionnements, quel que soit leur cheminement de vie. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les nouveaux baptisés, enfants, jeunes et adultes, qu'ils trouvent au sein des communautés des lieux d'approfondissement de la foi et de formation spirituelle. Que chacun d'entre nous, baptisés, sachions être à leur côté dans la joie de ta résurrection. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour ceux qui traversent une lourde épreuve, pour les malades et leur entourage, pour ceux qui sont touchés profondément par le découragement et le manque d'espérance. Que le Christ ressuscité leur apporte paix intérieure et lumière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour nous tous rassemblés, que ta parole, à vous d'en être les témoins, résonne dans nos communautés
pour vivifier l'esprit d'unité et de fraternité, pour servir, annoncer et célébrer le Christ ressuscité. Au cœur de cette belle célébration, Seigneur, nous prenons un instant de silence pour te confier nos propres intentions, des parents, des amis, des malades. Daigne nous exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est désormais le moment de la présentation des dons. Nous sommes invités à participer aux offrandes par notre don. Deux types de paniers vont circuler dans l'assemblée. Des paniers traditionnels serviront à collecter votre don en espèces. Des paniers connectés seront proposés à ceux qui souhaitent payer par carte bancaire. Pour ces personnes, nous les invitons à lever la main pour se signaler aux personnes en charge de ces paniers. Les dons réunis lors de cette quête serviront à payer les frais de cette journée. Nous vous invitons donc à être généreux. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, qui es Éternel. Gloire à toi, qui es Éternel. Gloire à toi, qui es Éternel. Dieu, son Père, nous attendons ton retour.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Hervé, ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Andéol, Saint Jean-François Régis, le bienheureux Pierre Vigne, Sainte Marie Rivière, Sainte Thérèse Coudert, Saint Charles de Foucault, le bienheureux Gabriel Longueville, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Quelques consignes pour la communion. Pour la distribution de la communion, les évêques et les prêtres vont se rendre en différents points de l'assemblée, accompagnés par un jeune qui tiendra un parapluie blanc. Vous allez communier vers le point le plus proche de vous par l'allée de votre zone la plus proche de l'allée centrale, en remontant toujours vers le podium. Puis vous repartirez par l'allée de votre zone la plus éloignée de l'allée centrale, en vous éloignant du podium. Merci d'avance. Thank you.
était choisi par lui, dans la force et la puissance, dans la plénitude de l'Esprit. Nous rendons grâce continuellement à Dieu pour vous tous. Et maintenant nous vivons, car vous êtes forts dans le Seigneur. Vous nous remplissez de joie en demeurant ferme dans la foi. Nous rendons grâce continuellement à Dieu pour vous tous. Vous qui êtes dans le monde, prêchant l'évangile du salut, vous guérissez les malades et mettez en fuite les démons. Nous rendons grâce continuellement à Dieu pour vous tous. Le Seigneur est avec vous, en son nom vous faites des miracles, vous ferez de grandes choses si vous demeurez en mon amour. Nous rendons grâce continuellement à Dieu pour vous tous. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce n'est pas une deuxième homilie, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est des remerciements. Quelle profondeur dans la sagesse de Dieu. Le 5 juillet 1992, c'était hier, alors que je quittais Privas pour la capitale des Gaules, Georges, je ne sais pas ici là, Georges Moreau, un petit jeune, avait conclu son merci par ces mots. Prends ton courage à deux pieds et reviens nous voir. Je ne suis ni revenu à pied, ni avec le VTT offert par la paroisse de Privas, mais je suis là. Et pas seulement pour vous voir. En reprenant les mots de saint Paul, je peux dire que je suis là pour devenir ministre de cette Église. Et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous, je me permets de rajouter, et avec vous, l'annonce de sa parole. Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 25. Être là, présent, n'est-ce pas ressembler au Christ ressuscité qui, le soir venu, on l'a entendu, vint et il était là, au milieu d'eux. Me voici donc là. Alors je précise avec un accent et sans S. Là, avec vous et pour vous. Ardéchois, cœur fidèle. À chaque célébration, je vous redirai ces premiers mots du Christ. La paix soit avec vous. Comme je l'ai écrit donc aux Ardéchois le 13 mars dernier, je suis profondément heureux de retrouver le département qui m'a vu naître. L'Ardèche n'est pas d'abord le pays d'où je viens, mais c'est bien aujourd'hui le diocèse pour lequel je deviens évêque. J'étais redevable de tout ce passé qui m'accompagne,
redevable aussi à ma famille enracinée ici depuis des siècles au bord du Rhône, à Mauves. N'ayant passé que quelques années au service des Ardéchois, je n'ai rencontré quelques-unes hier aussi qui m'avaient eu en formation. Je suis passé hier au Bonnat voir quelques prêtres âgés. N'ayant passé donc que quelques années sur 39 années de ministère ordonné, j'espère que cette nomination me permettra de rendre un peu de tout ce que j'ai reçu ici, mais aussi ailleurs, dans tous ces diocèses où je suis passé. Je continuerai à recevoir de vous et au-delà de vous. J'espère bien renouveler dans le Vivarais ma manière d'être évêque, avec des yeux nouveaux et des oreilles ouvertes. J'essaierai donc d'être au service de tout le peuple du Vivarais, comme je le disais, pas seulement des catholiques. C'est évidemment vrai pour nous tous. Nous essayons de servir quiconque se présente à nous. Conscient de m'inscrire dans une très longue histoire depuis Saint-Andéol et dans la lignée de mes prédécesseurs, je pense évidemment au père Hermile, au père Bonfils, au père Blondel et puis à monsieur Balsac qui est retenu par une petite hospitalisation qui l'empêche d'être parmi nous. Je ne manquerai pas de visiter les 22 paroisses de notre diocèse avec cet esprit synodal, cher au pape François. Je servirai l'évangile, bien sûr, mais toujours en le recevant aussi des autres. Faire lire, faire aimer l'évangile conduit à aimer Dieu et à aimer son prochain. Je le ferai en continuant d'être le prélat de la mission de France, en travaillant à la juste attitude chrétienne pour la mission. On m'a déjà beaucoup, beaucoup posé la question de ce qu'était la mission de France. Ne vous inquiétez pas, j'expliquerai à chaque fois que vous me le demanderez. Je le ferai très volontiers. Il me revient de nommer le vicaire général. Vous ne serez pas étonnés si je vous dis que je nomme celui qui a su, avec intelligence et sagesse, administrer notre diocèse depuis le 17 septembre 2023, c'est-à-dire, je suis prof de maths, 210 jours, c'est-à-dire 7 mois canoniques. Merci Fabien. Comme il est timide, j'avais peur qu'il ne se lave point, qu'il se lève point. Voilà. Voilà, Fabien, tu as toute ma confiance, tu le sais. Et puis, il en est de même pour le conseil épiscopal que je renouvelle, bien sûr. Je termine. Voilà. Je termine par quelques merci. Je remercie mon prédécesseur, Jean-Louis Balsac, qui est retenu donc, comme je vous le disais, par une opération, il va bien, et qui, malgré sa santé, a eu la délicatesse de m'offrir un siège en bonne santé. Voilà. Merci aux diocésains de Sens et Auxerre qui ont fait le déplacement. Vous avez au moins fait 6 ou 7 heures de route. Ils sont où, les Sénonais, les Auxerrois? Ils sont là, voilà. Arrêtez-vous chez nous si vos vacances vous font passer pas loin d'ici, ou même ici, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Les Ardéchois savent accueillir. Merci à tous les fidèles Ardéchois, dont les prêtres, les diacres et laïcs en mission, les bénévoles, pour leur accueil. Je ne constate qu'un bel accueil de partout en ce moment. C'est vraiment une très, très grande joie. Merci à vous. Merci à la Mission de France. Mais je continue bien le chemin avec joie. Et il y en a qui sont même venus de Marseille, quelques-uns. Voilà, merci d'être venus de Marseille aussi. Voilà. Peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Merci à mes frères évêques, notamment de la province de Lyon, mais pas seulement. L'archevêque de Dijon, qui était mon métropolitain, est là aussi, puis d'autres. Merci particulier, évidemment, à Monseigneur le Nonce apostolique pour son écoute bienveillante. Il se cache. Ah oui, il s'est mis à l'ombre. C'est un poste caché, mais très, très important. Et vraiment, je le remercie. Merci à vous qui représentez tant de régions ou de pays différents. Vous donnez un visage à cette fraternité universelle. On parlait un peu Charles de Foucault en Christ. Alors, je ne veux pas citer tous les pays d'Afrique, mais il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent des Philippines, de Pologne, de Tahiti, d'Amérique. Oui,
J'ai un cousin germain, voilà. Voilà. Un seul suffit pour représenter un continent, voilà. Et il y en a même qui sont venus de Valence. Voilà, vous savez, on a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé des ponts. Vous inquiétez pas, les ponts, on en fera autant qu'il faut, comme il faut. Pas trop peut-être, bien sûr, mais quand même, il faut beaucoup de ponts. Voilà, et vous verrez que dans petite mes armoiries, il y a même un pont, c'est celui de Pontigny, mais aussi c'est tous les ponts que nous construirons ensemble. Voilà, merci à tous ceux et celles qui ont préparé cette célébration, aux équipes de Jean-Charles et Christophe notamment. Et je remercie les mairies de Viviers, Bourg-Saint-Andéol, Saint-Montant, Le Teil et Châteauneuf-du-Rhône, qui est de l'autre côté, pour la mise à disposition de leur matériel et la disponibilité de leurs services. Voilà, merci à tous les élus aussi qui ont pu venir ou qui se sont exprimés, qui ont exprimé leur attention vis-à-vis de moi. Voilà, je n'ai pas encore salué les représentants d'autres confessions chrétiennes ou d'autres religions, mais je le ferai à la suite de cette célébration. J'oublie probablement des merci, mais le plus important, c'est que je le ferai très personnellement dans les semaines qui viennent. Voilà, je ne peux m'empêcher de terminer en redisant cette prière du début de cette célébration. Cette prière, elle correspond bien à ce que nous venons de vivre. Garde, on s'adresse au Seigneur, garde à ton peuple, sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis dans l'espérance de la résurrection. Voilà. Il y a peut-être après un petit mot, alors il ne faut peut-être pas que j'empiète. Je vais juste dire que j'aime beaucoup servir. Vous savez que mon père avait un restaurant, je servais au restaurant avec maman qui doit être par là. Voilà, c'est ça, qui est ici. Et que vous savez que je l'ai dit un peu partout avec mes frères et ma sœur, on essaye justement de l'aider à vivre et de continuer à bien vivre. Il me reste à vous servir l'apéritif, Saint-Joseph ou vin de noix, je ne doute pas de votre art des choix. Voilà, merci Monseigneur. Donc, pour cette nomination. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu oui à cette invitation que vous a fait donc le pape, et puis merci au travail aussi de Monseigneur le Nonce, parce que on sait que nous avons beaucoup de chance puisque ça n'a duré que 7 mois. Voilà. Et c'est pas le cas de tous. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci aussi qui, je dirais, à double titre. Alors, c'est d'abord on va faire un merci à Madame Giraud, donc, avec Angèle, qui va lui apporter un bouquet. C'est merci, donc, à la maman de Monseigneur. Et c'est aussi dire un merci aussi, et toute l'importance et la place des mamans, voilà, dans notre vocation. Voilà, merci aux mamans, merci. Monseigneur, alors, comment vous dire? Donc, on a voulu vous faire un petit cadeau symbolique. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Mais, voilà, alors, pour enrichir votre collection, alors non pas pour mettre dans votre vitrine, parce que Monseigneur, vous savez, depuis très longtemps, pour lui faire plaisir, enfin, on lui offre des coques, parce que comme c'était dans son voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et la crosse du diocèse. Et d'ailleurs, à ce titre, voyez, c'est la crosse qui m'a été offerte par le diocèse de Viviers pour mon ordination du 25 mai 2003. Donc c'était un devoir pour moi de vous la ramener. Voilà. Donc voilà, elle est là. Merci beaucoup. C'est une crosse qui est unique, hein, qui avait été faite par un artisan. Et donc, puisque c'était un coq, eh ben, il vous manquait la poule. Baptiste... Belle mentalité quand même, belle mentalité. Offrir des poules à un évêque.
Non, mais il y en a déjà qui se précipitent pour prendre des photos. Je vois. Et maintenant, donc, sans plus attendre, parce que nous avons très soif, nous vous invitons, enfin, alors, après que nous aurons fini la célébration, là, dans peu de temps, la bénédiction, nous invitons tous, donc, à boire quelque chose, à manger aussi, je crois qu'il y a même des caillettes, enfin, il y a plein de choses. Donc, de l'autre côté, vous traversez par l'intérieur, là, et vous verrez, donc, il y aura à boire et à manger. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà, j'ai oublié une petite, toute petite annonce. Il faut empiler les chaises par 10, je suis désolé. Et les objets qui ont été confisqués lors des fouilles, à l'accueil, couteaux de chasse, etc. Vous les retrouverez donc, ils sont à reprendre à l'accueil. Voilà, merci.